Des toitures incendiées, des magasins en ruine et des visages dépités. C'est le triste constat qui a pu être fait le samedi 4 mai au grand marché de Gagnoa. À l'origine de l'incendie, un court-circuit électrique. Si vous voyez que les pompiers ont pu avoir accès, et puis pour éviter beaucoup de choses, c'est parce que la rue est dégagée. Je suis aujourd'hui, ces femmes-là sont mes soeurs, sont mes mamans. Donc, les racontes, il n'y a même pas de problème. Ce qu'on leur demande, c'est d'ouvrir les voies. D'ouvrir les voies pour que s'il y a des sinistres comme ça, on ne peut pas planifier, on ne peut pas prévoir. Même les marchés les plus sophistiqués, il y a toujours des incendies. Si la police a d'ores et déjà ouvert une enquête pour situer les responsabilités, les commerçants, eux, appellent au changement. C'est une doléance auprès de monsieur le maire de faire face à ce qui est là. Si on n'a pas accès à la clientèle, hein, comment on va avoir l'argent pour payer nos impôts? Comment avoir l'argent pour payer patate? Les femmes sont sur la route. Elles ont coupé la route. La route qui quitte vers CSK, collège CSK, qui montre pour aller vers Sokossé, est déjà prise en otage. Ce n'est pas la première fois que le grand marché de Gagnoa prend feu. Ce marché a été incendié plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il y a incendie, le travail des sapeurs-pompiers est rendu difficile, faute de voies d'accès adéquates pour pouvoir maîtriser le feu.